Good morgen, allez, Iden le tusra aujourd'hui le Rufuat Olivier Salishimon Ben Chaya Esther, Inon Chai Ben Jessica, Shmuel Meir Ben Miriam Serel Betor Shachol Israel. Si vous avez aussi des idées d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Psachim, Perek Aleph, Mishnah Vav. Rabbi Chanina Sgana Kohanim Omer, Mimem Shal Kohanim, Lonim Neumi Lisrof et Abassar, Shinitma, Bivlada Touma, Im Abassar, Shinitma, Be Ava Touma, Af Alpi Shemosifin Touma, Al Toumato. Aussi, Rabbi Akiva et Amar, Mimem Shel Kohanim Lo Nimnu, Miladik et Hashemet Shinifsal Bitvul Yom, Bener Shinitma Bit Memet, Afalpi Shemosifin Touma Al Toumato. Une Mishnah qui n'a aucun rapport avec l'Ilchot Pesach, on la rapporte uniquement parce que dans la prochaine Mishnah, on va déduire un certain élément de notre Mishnah qui va concerner l'Ilchot Pesach. D'accord? Donc on va faire en fait un petit break pour les lois de Pesach, on va passer à des lois de Touma Vetahara. Les lois de Touma Vetahara, ceux qui ont l'habitude de faire le Mishnah avec nous, savent combien c'est d'un côté très nouveau, étrange, compliqué, mais en fait, combien, Baruch Hashem, on sait bien les expliquer avec le temps, non, franchement, Bémet, et ça va aller. Soit, c'est une Mishnah qu'on a étudiée intégralement dans ma Sechet Edouyot, Perek Bet Mishnah Aleph. Faites une recherche internet et vous me direz ce que je me suis trompé d'un cours à l'autre. Personnellement, je n'ai pas le temps de rechercher. Et d'accord, Masechet Edouyot, c'était vers la fin du Seder Nezikin. Soit, on introduit deux points importants. Tout d'abord, la Trouma. Vani natati lachem et mishmeret trumotai. Le pasouk, Hachem, il dit au Kohanim, moi, Vani et moi, je vous ai donné et mishmeret trumotai, la garde de mes trumot. Soit, en fait, Hachem, il a donné les la trouma au Kohanim à consommer, en leur imposant de faire attention à les préserver, à les conserver, qu'ils ne les rendent pas impurs. Il y a un interdit à rendre impur de la trouma. Sujet assez vaste parce que c'est jamais noir ou blanc, c'est assez complexe. La Gemara elle rallonge énormément d'ailleurs dans ceux qui ont fait de la Fayomi, quand les états d'Af, du Dalet. Zain, je sais plus, il y a eu là-bas peut-être 6 dapim de Touma Vetahara assez hard. Il y a donc, de manière générale, la Touma, il faut veiller à ne pas la rendre impure. Une fois, par contre, je vous introduis comme ça une idée comme ça, qu'on va voir, d'ailleurs, c'est l'idée de base de notre Mishnah, à savoir si la Touma, elle est déjà devenue impure, alors je pourrais même la rendre encore plus impure parce que c'est pas grave, de toute façon, elle est impure. Soit, en fait, il faut introduire maintenant la deuxième notion, c'est que dans les lois de Touma Vetahara, les lois de pureté et d'impureté, il y a toute une famille de pureté et impureté. Il y a plusieurs niveaux. Depuis ce qu'on appelle le Aviavot Atouma, c'est le mort. Celui qui va toucher le mort, il va devenir lui-même Avatouma. Si je vais toucher un ustensile, moi qui suis Av, je touche une fourchette, elle est devenue la fourchette, elle est devenue Rishon Atouma. D'accord? Maintenant, elle, la fourchette, elle va toucher une pomme, la pomme, elle va devenir chenille, la Touma. Ouais, chaque fois, on perd un niveau de Touma et impureté. Il y a des lois, il y a des propriétés à chaque niveau d'impureté. Soit un Av, il peut rendre Avatouma, il peut rendre impur un ustensile. Mais un Rishon, la Touma, ne peut pas rendre impur un ustensile, par exemple, la fourchette. Si elle va toucher une casserole, elle ne va pas rendre impure la casserole. Si elle va toucher une pomme, elle va la rendre impure. Si la pomme, il y a des conditions, bien sûr. La pomme elle-même, elle a déjà été mouillée. Et puis après, si cette pomme-là, maintenant, elle va elle-même toucher un liquide, par exemple du vin, elle va rendre le vin impur, le pain, il va devenir chéni. Et après, le chéni, il va pouvoir même faire shlishi, mais shlishi, ce sera que betourouma, pas bechouline. Il y a des propriétés, enfin, à chaque niveau de Touma et Tahara, d'accord? L'idée générale de notre Mishnah, elle est de savoir, maintenant, elle est de préciser, de nous apprendre, que quelque chose qui est de toute façon devenu impropre à la consommation, une tourma qui est devenue impropre à la consommation, parce qu'elle a été impurifiée, souillée, de différents niveaux, comme ce qu'on va voir, eh bien, maintenant j'ai un devoir de la brûler, le Kohen il a le devoir de la brûler, il ne peut plus la garder, lorsqu'il a le devoir de la brûler, il pourra de toute façon la brûler avec quelque chose d'encore plus impur, même si en la brûlant avec la deuxième chose qui est impure, il va être mosif tuma al tumato, c'est la phrase vecteur, qu'on voit deux fois dans le Mishnah, Afalpi Shemosifin Touma al Toumato, on va ajouter de l'impureté sur son impureté. Soit, allez, je vous propose un premier niveau d'abord de un morceau de viande qui était Kadosh,
qui était d'un niveau d'impureté 3. D'accord? Vlad shel Vlad. Soit il y a le Av, le Vlad, et Vlad shel Vlad, plutôt, ouais, d'abord, on est au niveau d'impureté 2. D'accord? C'est ce qui a été dit. Niveau d'impureté 2, deuxième niveau d'impureté. La Mishnah va m'enseigner, ben, tu sais, tu vas pouvoir le brûler avec ce qu'on appelle un avatuma, un morceau de viande qui a été en contact directement avec le mort. Que maintenant lui-même il est devenu avatuma. Lui il est devenu av, et je vais pouvoir le brûler avec celui qui est chenille. Or, lorsque le chenille va toucher le av, le chenille va devenir richon. Je vais l'enfoncer dans son impureté, il va devenir encore plus impur. Malgré tout, la Mishnah m'enseigne, c'est pas grave. Depuis toujours, les Kohanim ont l'usage de faire, de brûler les tourmotes ensemble, même si c'est un témoignage qui rapporte Rabbi Hanina Zgana Kohanim. Depuis toujours, les Kohanim avaient l'usage de brûler les tourmotes impures ensemble, même si finalement on est Mosif Tumal Tumato. Vous avez compris l'idée? Allez, on fait ça déjà dans les mots, la première partie de la Mishnah, la deuxième partie, il y aura encore une petite subtilité, mais après on verra ensuite. Rabbi Hanina Zgana Kohanim, Rabbi Hanina Zgana Kohanim, Rabbi Hanina le second du Kohen Gadol. Omer, il disait, Mimehem shel Kohanim, il rapporte un témoignage depuis toujours chez les Kohanim, l'onimneu milisrof et abassar shinitma bevladatuma, ils ne se sont pas empêchés, limités, de brûler une viande qui a été impurifiée par le vladatuma, donc qui est devenu chenille. Mais en réalité, c'est pas exact, on va expliquer un peu pourquoi. Avec une viande chez Nitma Be'avatuma, avec une viande qui est devenue impure en touchant un Avatuma. Ouais. Mafalpi Shemosifin Tuma al Tumato. Même si on va lui ajouter de l'impureté à son impureté et qu'on va la rendre encore plus impure. Concrètement, il y a un petit problème technique dans la Mishnah, c'est que la Mishnah nous parle d'une viande qui a été impurifiée en touchant un Av, donc là elle est devenue Rishon. Et avec une autre viande qui a été Nitma Be'Vladatuma. Donc il y avait un Vlad Atuma, il y avait déjà un Rishon, et là, elle, le deuxième audion, il a touché le Vlad à Rishon, le Vlad. Donc il s'avère que lui, il est 2, et l'autre, il est 1. Et Rabbi Hanina Zgana Kohanim, il me dit, bah, tu peux les brûler ensemble. Or, le 2, lorsqu'il va toucher le 1, il ne va pas devenir 1, il va rester 2. Donc en fait, il ne va pas aggraver son niveau d'impureté. Du coup, Bartonor explique, regardez le Dibor Matri, le Benim Ministrof, et Atouma, Chenitma, Bevlad, Atouma. Attention, Bevlad, Shel, Vlad, Kamar. Il faut dire que c'est un Vlad de Vlad, un fils de fils. Soit, la viande, elle a touché un fils de fils, donc un deuxième, niveau 2. Elle-même, elle est devenue 3. Et je la brûle avec une viande qui a touché 1, qui est devenue impure à cause d'un Avatuma, donc qui est maintenant niveau 1. Je brûle un niveau 1 avec un niveau 3, même si concrètement, ils vont se communiquer l'impureté. Il va la rendre encore plus impure, puisque maintenant elle va devenir chenille. Ouais, et malgré tout, on pourra les brûler ensemble. Ok? Deuxième cas de figure maintenant, et là il faut que j'introduise un petit peu à l'oral, auparavant, une nouvelle notion maintenant, c'est la notion de halal kherev. Il y a dans les lois d'impureté, de manière générale, toujours, lorsque une chose va impurifier l'autre, il va maintenant lui communiquer un niveau d'impureté amoindri. Soit le Av, il va toucher, le Av, ça va être un couteau qui est Avatuma, il va toucher un bout de viande, il va le rendre Rishon. La viande va toucher du vin, il va le rendre Sheni. Et le Sheni va toucher un morceau de viande encore, et il va le une pomme, peu importe, il va la rendre Shiji. Toujours, on perd un niveau à chaque fois qu'on communique la Touma à une nouvelle. Il y a une exception à la règle. C'est par rapport aux lois du mort, du mort lui-même ou de celui qui a touché le mort, par rapport aux ustensiles en métal. D'accord, on va prendre. Il y a de quoi rallonger, on a vu du rambam, tout ça. Prenez comme ça, arrangez comme ça qu'il propose. C'est pas comme Martin Rodafka. Hein, un objet en métal qui a touché un mort. Ou bien, moi qui ai touché un mort, je suis devenu moi-même Avatuma. Si je touche un objet en métal, l'objet en métal. Il va aussi devenir Avatuma. C'est le grand chidouche de la halakha du Bachalal Kherev, c'est celui de la Torah. Kherev Arouk et Halal, l'épée qui touche, l'épée ou le fer en fait, qui va toucher un mort, il va prendre le même statut que le mort. L'épée, elle va devenir Avatuma, si elle a touché le mort directement. Moi qui ai touché le mort, je suis devenu moi-même Avatuma. Si je touche l'épée ou même du fer ou une fourchette, la fourchette, elle va prendre le même statut que moi.
Avatouma. Ok? De ce fait, maintenant, si on se retrouve avec un nerf, une veilleuse, comment dire, non, pas une veilleuse, le pôle, l'ustensile, qui est en fer, et là, une veilleuse en fer, donc le récipient, qui est lui-même en fer, en métal, si lui, il va toucher le mort, il va s'avérer que maintenant, ou il va plutôt toucher le tmémet, moi je vais le toucher, il va s'avérer que maintenant, lui, il est devenu avatouma. Le rabbi Akiva va me dire, tu sais, maintenant, il est avatouma, fais attention, regarde ce qu'il va se passer. Je te permets de brûler une huile qui a été impurifiée, une huile de tourouma, qui a été impurifiée au niveau 3. Ça s'appelle psoul, uniquement, shinifsal bedvulium. Il y avait un dvulium, c'est toute une histoire, bon, très rapidement, je vous explique. Une personne, lorsqu'il se rend pour mikvé parce qu'il était impur, en général, il doit attendre pour pouvoir toucher la tourouma, il doit attendre le coucher du soleil. Pour le moment, durant toute sa journée, il s'appelle Dvulium, il véhicule une certaine impureté spécifique à la Trouma, il va le rendre impur, il va le rendre niveau 3. D'accord? On revient maintenant sur la Mishnah, donc on a compris c'est quoi un Dvulium, il va toucher de l'huile de Trouma, il va le rendre invalidé. Psoula, on l'appelle plus Touma, on l'appelle Psoula, parce qu'elle ne va plus communiquer la Touma à quelqu'un d'autre. Elle devient juste Psoula, maintenant elle est devenue donc niveau 3. Eh bien, elle maintenant, ça y est, il faut la brûler. Le Rabbi Akiva va me dire, tu sais quoi, tu pourras la brûler dans cette veilleuse que j'ai touchée moi, qui ai touché le mort. J'ai aussi touché ensuite une veilleuse. La veilleuse, elle est devenue elle aussi Avatouma. Avec, dans cette veilleuse-là, tu peux la remplir d'huile qui est niveau 3. Regarde, là, attention, tu vas la rendre de niveau 3 à niveau 1. Tu la fais augmenter deux niveaux d'impureté. Et malgré tout, tu as le droit de la brûler parce que de toute façon, c'est une trauma qui est de toute façon prédestinée à être brûlée parce qu'elle est impure. D'accord? C'est ce qu'il est venu me dire Rabbi Akiva. Regardez, on fait ça dans les mots. Aussi, Rabbi Akiva avait Amar. Il a rajouté Rabbi Akiva sur Rabbi Hanina Zganakonim, il a rajouté un cas encore plus fort. Mimehem shel Kohanim, depuis toujours, l'époque des Kohanim, l'onim neum il hadlik et hashemen, ils ne s'empêchaient pas, ils ne se restreignaient pas à ne pas, ils s'empêchaient pas d'allumer et hashemen, une huile, chez Nifsal bitvulium, qui a été invalidée. Parce qu'elle a été en contact avec un tvulium, celui qui s'est trempé au mikvé dans la journée, mais qui n'a pas encore entendu le coucher du soleil. Donc il invalide la trauma, il la rend psoula, inapte à la consommation. Et donc cette huile-là, tu pourras la brûler avec quoi? Bener shenitma betmemet. Bener, comme il dit le Vortenora, ner shelmatechet. Une veilleuse en fer qui a été rendue impure par un tmemet, par quelqu'un qui a touché un mort. Soit moi, par exemple, j'ai touché un mort, depuis j'ai pas eu les cendres de la vache rousse. J'ai touché un nerf, j'ai touché une veilleuse en fer, elle est devenue elle-même avatouma, comme moi, et je vais mettre cette huile-là qui est niveau, qui était psoula betvulium, donc qui est un niveau 3, je vais la mettre dans ce nerf, il s'avère que maintenant cette huile, elle va passer du niveau 3 d'impureté au niveau 1 d'impureté, je l'ai encore plus impure, malgré tout les Kohanim avaient l'usage de procéder ainsi sans se restreindre, sans se limiter, af alpi shemosifin tuma al tumato, bien que on ajoute ainsi, on aggrave ainsi le niveau d'impureté de l'huile. Malgré tout, puisque de toute façon l'huile de Tourma, elle est de toute façon devenue impure, alors c'est pas grave si on la rend encore plus impure. D'accord? On a fini la Mishnah, je vous introduis très rapidement l'idée qu'il va y avoir dans la prochaine Mishnah, ça nous permettra de mieux assimiler, parce que ça va être un petit peu subtil. La question de la prochaine Mishnah va être de savoir, est-ce que à l'heure où la Tourma va devenir où le Hametz va devenir assour, est-ce que je vais pouvoir brûler de la trauma pure avec de la trauma impure? Parce que c'est vrai que je rends de la trauma impure, mais d'un autre côté, de toute façon, c'est de la trauma qui est vouée à être brûlée, de toute façon. Donc c'est un peu la même idée, on expliquera Bezrat Hashem mieux dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.